Hallo, hallo, willkommen für die große Preis von Deutschland. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grosseur Mobile 1 Preis von Deutschland. Donc, sur le circuit d'Hockenheim en version raccourcie. Ouais, qu'elle est amputée complètement hein, après le deuxième virage. Donc, on va faire les qualifications. C'est parti. On est dans les temps Bienvenue sur le classiques, terre du Grand c'est-à-dire Prix entre la d'Allemagne d'Hockenheim. 20e Les et qualifications dernière vont commencer. position, Nous donc ça va être connaîtrons à compliqué. On l'issue va de sortir cette tout de première suite du séance de 10 garage. minutes les 6 voitures qui occuperont demain le fond de grille. Le premier sur le circuit est Yuji Hide. Et donc c'est parti. Alors un circuit qui, même dans sa version courte, est quand même plutôt pas mal, mine de rien. Assez intéressant avec sa grosse épingle. Le circuit garde quand même un certain charme, on va dire, même si, bon, pour comparer à la version originale, on en est quand même bien réduit. Mais bon, franchement, ça va, et ça aurait pu être pire. Et du coup, bah, comme d'habitude, on va essayer de passer en Q1. Enfin, en tout cas, en Q2. Alors, les ailerons qui sont plus bas que prévu. Puisque il y a quand même deux grosses lignes droites et que ça arrive quand même à passer dans les virages un peu plus lents, donc on va essayer comme ça. Mais sincèrement, je m'attends pas à un truc très folichon sur ce Grand Prix, à moins qu'il se passe vraiment un carton devant, ou peut-être, oula, ou peut-être un événement. Ouais, c'est passé Yuji. Vous avez vu, c'était instantané, hein. J'ai à peine pris la bordure. Oh là là, merci Yuji, on te remercie. Bon, est-ce que je pourrais passer une fois pour toutes ou pas? Merci. C'est bon, on peut y aller? Allez, go, c'est parti. Et en plus, je l'ai tapé, incroyable. Merci Toro Rosso pour le premier tour, c'est cool. On va bien se marrer. Il y a du monde partout sur la piste. Bon, j'ai cassé un peu l'avant, mais je pense pas que ça se fait impacter beaucoup. Alors le must, si je veux faire un bon temps, ça serait de prendre l'aspiration sur une IA dans la ligne droite. Mais là, je suis un peu loin. Vous avez vu, ça part instantanément hein, quand on se loupe. Yuji Hide boucle son tour. Je me suis complètement raté. Ah, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit impact parce que j'ai du mal à tourner. Christian Albert se réalise un nouveau temps. Il doit être déçu. Ses réglages ne semblent pas adaptés au circuit. Thiago Monteiro réalise un nouveau temps. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce temps. Il va plutôt chercher à l'oublier. Ah, j'ai loupé le panneau. Je pensais que c'était celui-là et c'est Hamilton celui d'avant. achève un tour de qualification. Weber boucle un tour complet. Il ne doit pas être content. Sa voiture n'a pas cessé de balayer toute la largeur de la piste. Christian Albert se réalise un nouveau temps.
Bon, on va essayer de finir ce temps quand même pour voir si on peut faire mieux. Jenson Button boucle son tour complet. Les pilotes bouclant actuellement un tour complet sont Ralf Schumacher, David Coulthard. On a fait pile le même temps, au millième près. Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso. Ah, Button il est en 1.26, voilà. Kimi Raikkonen, Michael Schumacher. Bon là déjà je l'ai mieux pris. Alors on peut aller large hein, sur ce circuit, il n'y a pas trop de problème. Je suis quand même en retard. Eh ouais, allez, vous voyez, vous avez vu chaque fois ? Il doit être des... Ça, c'est incroyable le temps perdu quoi. Allez, revenons au garage. On va faire 19-9. On va reprendre les réglages que j'avais. On va rehausser un peu les ailerons. Voilà. Quitter le garage. Il nous reste 7 minutes. Ah bah merci, ça valait le coup, super la Ferrari. Bah tiens, pour la peine, je pourris votre tour. Bah, au moins c'est fait. En course, il faudra vraiment éviter les bordures. Oula, mais aussi éviter celle-là d'ailleurs. Et je sais pas qu'ils vont m'embêter devant, derrière, je veux dire. Mais non, 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 mais putain de Ferrari de merde. Putain, deux fois, putain, deux fois. Deux fois comme ça, il me ruine quoi, c'est pas possible. T'as deux fois le même pilote au même endroit limite quoi, enfin ça me saoule. Alors je sens que la course va être n'importe quoi. Yuji Hide boucle son tour. En plus ils vont tous m'ennuyer au bon moment, vous allez voir. Scott Speed réalise un nouveau temps au tour. Allez c'est parti pour une dernière tentative ou avant-dernière. Comme ça tire large. Et ouais, et en plus je me loupe. Nico Rosberg réalise un nouveau chrono. Il ne doit pas être content. Sa voiture n'a pas cessé de balayer toute la largeur de la piste. Bon, tout ça sert à rien. Allez, passe, passe, passe. Passe, passe, merci. Rubens Barrichello.
Barrichello termine son tour complet. Bon, une dernière tentative. Attention, à partir du moment où à la chicane, ou le dernier, ou à l'épingle, pardon, il nous touche. Alors, on sait déjà que la course sera ruinée très vite. Hein. Je peux rien faire contre une IA qui te démonte à chaque virage, quoi, c'est pas possible. Christian Kling obtient un chrono. Allez, dernier tour. C'est médiocre, la voiture ne semble pas au mieux. Ok, super. Et j'ai raté mon tour. Bon, on va finir notre tour normalement. On va voir ce qui se passe si je me freine normalement. Jenson Button boucle son tour complet. Voilà, je vais freiner normalement, hein. Je vais prendre le panneau. Ça m'entraîne un petit peu comme ça. Voilà, ils le prennent tellement plus vite. Ils ont tout pour eux, quoi. Meilleure accélération, meilleure vitesse de pointe, enfin tout, quoi. Moi, je pourrais repasser, regardez. Alors, à tous les temps, fais-moi la maligne, hein. Nicketfeld achève son tour complet. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce. Allez, c'est parti. Fin de remis en garage. Il va plutôt chercher. Donc, c'est un 17ème temps, mine de rien. Je pensais que j'allais finir, genre, bon dernier avec mon temps pourri, là. Mais en fait, ça s'est pas trop mal passé. Bon, j'aurais pas fait une seconde de mieux dans tous les cas, donc j'aurais quand même fini out. Allez, quittez séance. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance qui décidera des places 11 à 16. La deuxième séance va commencer. Allez, hop, quittez la séance. Nous allons passer. Ils étaient 22, puis. Les jeux sont faits. De la dixième place à la. Allez, c'est parti. Le suivant. Donc pour la course, ouh, il a pas à faire super beau par contre. Et super grill. Grand Prix d'Allemagne. Les pilotes aiment le circuit de Hockenheim parce qu'il s'y déroule toujours de grands moments de course. Rubens Barrichello a de bons souvenirs sur ce circuit car c'est ici en effet qu'il a remporté sa première course en 2000. Et c'est surprenant, mais il partira en fond de grille aujourd'hui à la 18e place. Je pensais pas que le jeu aurait ce niveau de détail au niveau des commentaires quand même. Le ciel est dégagé et les températures sont idéales, sur et en dehors du circuit. Les prévisions sont bonnes et les conditions ne devraient pas bouger pendant la course. En pole, nous avons Felipe Massa. Jenson Button. Ok, donc Kling qui s'en sort pas trop mal, dixième. Alonso 6, monté à 7. Michael Schumacher bon. Arrive ensuite. Pour l'instant, les Renault sont un peu loin. Et finalement, il fait beau. C'est très bizarre. Vous connaissez le truc et on y va. Allez, c'est parti. Ah, départ correct. Évite d'attaquer avant que les pneus ne soient verts sur l'indicateur. Tant qu'ils sont bleus, ils accrochent moins. Ils abordent le premier virage. Felipe Massa sort en tête du premier virage. Il est suivi de Jenson Button. Derrière, on trouve Giancarlo Fisichella. Oh, il y a même Sato qui en a profité. Ouf! Oh, le moteur! Juste devant là. Oh la casse, ça fait penser à Button Fisichella au Grand Prix Australie 2006. Dernier tour.
Bon, j'ai pas encore les pneus très chauds. Oh, la sortie large. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Massa occupe la première place. En deuxième position, Fisichella. Button est troisième. Quatrième, Michael Schumacher. En cinquième position, on retrouve Alonso. Il est parti sixième. Trulli à la sixième place. Il a perdu une place par rapport à sa position sur la grille de départ. Montoya est septième. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. L'indicateur d'état de la voiture affiche les pneus en vert, ce qui veut dire qu'ils sont chauds. Le grip est bon. C'est quoi dans le but ? Je suis obligé de couper à chaque fois afin de sortir un peu large. Superbe première portion, c'est ton meilleur temps jusqu'ici. Ah, Ekonen qui est con 11ème. Ah, ça bloque un peu. Ça va, j'ai eu peur. Quatrième tour de ce Grand Prix, Massa occupe la première place. En deuxième position, Fisichella. Button est troisième. Quatrième, Michael Schumacher. En cinquième position, on retrouve Alonso. Montoya, sixième. Trulli est septième. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. Ouais, d'accord, je laisse un peu la place quand même. Felipe Massa a accéléré, c'est son meilleur tour de la journée. Son dernier temps était de 1:15.96. Il commence à distancer Giancarlo Fisichella. Il tourne en à peine plus de... Bon, c'est sûr que j'ai pas le rythme de la BM devant. Oh, il a pas du temps, j'ai l'impression, Luzi derrière. Massa occupe la première place. En deuxième position, Fisichella. Button est... Pardon. En cinquième position... Ah là, ouais, complètement là. Montoya, sixième. Trulli est septième. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. Alors, Villeneuve, Klein, Elbert, Studi, ce serait bien qu'il les abandonne devant, parce qu'on est pas mal placé. Thank you.
met la pression ici. Il vient de boucler un tour en 1.16.2. C'est mieux que Giancarlo Fisichella. À cet instant, l'écart entre eux est de 2 secondes. Nous en sommes au 6e tour. Oula, j'ai du mal là par contre. Massa occupe la première place. En 2e position, Fisichella. Ouais, là j'ai du mal. Et 3e. 4e, Michael Schumacher. En 5e position. Ouf, 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 vous avez vu l'arrière qui s'est dérobé. Montoya, 6e. Trulli est 7e. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. Un point rapide sur la météo pour vous informer que la température descend depuis 2 tours. Si ça continue, il se pourrait bien que les pneus perdent un peu de pression. Alors je vais augmenter la pression des pneus légèrement par rapport aux anciennes courses. Et c'est vrai qu'il fait un petit peu moins beau, j'ai l'impression aussi. Putain! Secours, Lia, Lia! Massa met la pression ici. Son dernier temps était de 1.15.74. Son avance sur Giancarlo Fisichella devient appréciable. L'écart a augmenté et est maintenant de 2.4 secondes. Je respire un petit peu. Oula, par contre j'ai du mal à passer. Ce virage, j'ai rien à faire. Oh là là, mais même la barre me passe quoi. 14e place, 14e. Ouh. Ah, ils ont tout pour eux, la vitesse de pointe, tout. Ah, tout, tout la barre, tout. Accélération, freinage, tout. Massa met la pression ici. Son dernier temps était de 1.15.97. Son avance sur Giancarlo Fisichella devient appréciable. L'écart a été porté à 2.6 secondes. Voici le classement des 8 premiers de la course. Massa occupe la première place. Comme d'avoir la pression, c'est qu'on fait plein d'erreurs après. Button est putain. Oh, je suis trop large. Michael Schumacher en 5e position. Et encore tout me revient. Montoya 6e. Trulli est 7e. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. J'arrive pas. Y'a rien à faire. C'est. J'arrive pas à le prendre ce virage. Ça commence à être compliqué au niveau du grip. Là, vous voyez, je suis en train de balayer la piste. Ah, il y a de l'huile. Tu pilotes magnifiquement. Je sais pas qui c'est qui a abandonné par contre. Clean peut-être. Ouais, je crois que c'est Clean. Allez, on est à mi-course. Il tourne en à peine plus de 1.16. L'écart est actuellement de 2 secondes 7. Nous en sommes aux 2/3 de la course. Il y a des vibreurs, faut vraiment les éviter. Première place, en 2e position, Fisichella. Button est 3e. 4e, Michael Schumacher. En 5e position, on retrouve Alonso. Montoya, 6e. Trulli est 7e. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. Oh, je veux dire, ça se bataille devant et à peine je freine, ils sont déjà devant quoi. C'est incroyable. Alors là, il y a encore la flaque d'huile.
Je me suis loupé complètement. J'ai perdu le point de freinage à cause de ça. C'est bientôt la fin, plus que 5 tours. La première fois que j'arrive à sortir à fond ici. Regardez Michael Schumacher, il donne tout ce qu'il a. Le chrono précédent. Non, non, ouf, 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 ouf. 28. Ce chrono laisse Button très loin. Il tourne en à peine 1.18. Ouais, merci avec ton 1.18, c'est une seconde plus rapide que moi. Trois dixièmes de mieux dans la dernière portion. Bon, on commence à se décharger en essence, ça aide un peu. Hein. Revient comme une bombe. Oh! Et ben voilà, j'ai glissé sur le vibreur, c'est incroyable. Ce tour a été le meilleur de Giancarlo Fisichella jusqu'ici. Son dernier temps était de 1.15.76. Il creuse un peu l'écart et distance Jenson Button. Il tourne en à peine plus de 1.16. L'écart est actuellement de 3 secondes 7. Entre bien 3 secondes 7, c'est le retard que j'ai pris à cause de ça, quoi. Ouais, alors par contre, la flaque d'huile en plein milieu de trajectoire, là, ça va être compliqué, je sens. Alors, je sais pas qui s'est planté, du coup. Enfin, qui c'est qui a abandonné. Le problème, c'est que chaque fois qu'on gagne une plage, on repère une derrière, donc ça sert à rien. Et 4 secondes de cooldown. Mais reste à savoir si à ce stade avancé de la course, il a la capacité de passer devant lui. Button a la pression en ce moment. L'écart est désormais d'une seconde et demie. Button a bien négocié la fin de ce tour. L'écart s'est creusé, 1.08. Je suis quand même assez impressionné par les commentateurs. Hein. Ils ont quand même pas mal de variantes entre les pilotes, c'est assez bien fait. Michael Schumacher sait qu'il doit réagir et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a réduit l'écart d'encore 0.2 secondes. Bonne deuxième portion, ton meilleur temps dans cette séance. Oula, attendez, hop, je reviens à celle-là, voilà, c'est bon. Et plus rien, c'est bon. Si, il est toujours. Ok, super. Un truc qui t'enlève comme quoi il n'y a plus d'huile, mais en fait, il y a encore. Allez, 3 tours. Son équipe a dû dire à Button de mettre la pression. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Je pense que je freine un peu trop dans cette chicane en fait. Je devrais laisser la voiture filer plus longtemps. Alors attention, parce que là il va y avoir du. Ouais, il va y avoir du. De l'huile. Voilà à quoi ressemble le classement des 8 premiers. Massa occupe la première place. En deuxième position, Fisichella. Button est troisième. Alors autant il y a l'huile, autant il n'y a plus d'abandon. Hein, toujours 14e. Il y a maintenant une seconde et 8 dixièmes de différence entre les deux pilotes. Button
ne semble plus à l'aise à présent. Oula. Il ne s'arrête pas là. Voilà qui ajoute 4 dixièmes de seconde à l'écart qui le sépare de son poursuivant. Ouais, Coulthard 10 secondes d'avance, sont largement plus rapide que nous. Attendez, Massa, il est déjà au dernier tour. Et je le savais, il y a la toute ville en plein milieu. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Allez, dernier tour. Il n'y a plus que 2 secondes entre eux. Ouais, j'arrive pas. Je n'arrive pas à bien le prendre. Du début jusqu'à la fin, j'aurais pas réussi. Ouais, je disais Massa, il a quasiment un tour d'avance sur nous en l'espace de 14 tours, quoi. C'est incroyable. Les gommes auront tenu. Ouf, oh, oh, comme il m'a... L'attaque là, de tous les instants pour... Et non, ça va passer. Yes! Eh bien, on aura fini la course encore une fois, et ça c'est déjà énorme. Ouf! Allez, victoire de Massa devant Fisichella, Button, Kilchumar, Alonso, Montoya, Trulli, Heidfeld, Raikkonen, Ralf Schumacher, Barrichello. Bah, c'est arrêté une bonne course. Franchement, par rapport aux essais libres, c'était calamiteux. On s'en est plutôt bien sorti. On n'a pas trop été gêné par les IA. Bon, une petite erreur sur le livreur. Mais en vrai, ça va. Franchement, ça va. J'aurais pas pu te s'en finir beaucoup mieux. On finit 14ème sur 16. Il y a eu énormément d'abandons. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce soit mon équipier et ID qui a abandonné. J'aurais préféré que ce soit deux autres personnes devant. Mais bon, 14ème c'est bien. Hein. Franchement, on s'en sort pas mal. On est dans speed, c'est déjà ça. Et deux Williams sont abandonnés. Alors, du coup, au championnat, c'est Alonso qui est toujours en tête, mais pour un petit point sur Massa. Raikkonen 3ème, 4ème Fisichella, 5ème Michael Schumacher, 6ème, peut-être Schumacher est loin. 6ème Montoya. Et ça a augmenté. Heidfeld qui gagne une place en 10ème place. Rosberg une 9 clean. Et nous, on est toujours dans les 20e. Déjà, on n'est pas dernier. C'est toujours ça de prix. Et c'est ID qui est devant nous. Quoi. Incroyable. Au championnat constructeur, pas de changement. Mais Renault n'a plus que 10 points d'avance sur Ferrari, McLaren, Honda, Toyota, Sauber. Les Williams sont à la rue, hein, 8e. Et enfin, on est toujours dernier parce que malheureusement, ID est devant nous. C'est difficile. Hein. Franchement, parce que à la régulière, même si on finit une course, j'ai peur qu'il n'y ait jamais assez d'abandon pour qu'on puisse... finir devant. Bon, en tout cas, plutôt content. On s'améliore, c'est déjà ça. Il y a eu pas mal de situations assez compliquées au départ, mais ça va, ça s'est bien passé. On se retrouve donc pour le Grand Prix de Hongrie. À Hungaroring pour la suite du championnat. On arrive vers la fin de la saison. Pour l'instant, 0 points marqués, mais bon, comme prévu, ça allait être très très difficile. Et on est dans le jus. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.